entrepreneuriat, on parle d'une structure de production d'eau minérale qui vient de voir le jour. Une initiative des jeunes entrepreneurs qui vise l'accès à l'eau de bonne qualité et à l'auto-emploi. C'est un reportage de Templar Eban Abessoul et Arnaud Mangue. 35 mètres cubes d'eau minérale par jour sortent de cette usine de production. Les installations à la pointe de la technologie, l'eau subit un contrôle de qualité après avoir franchi plusieurs étapes, dont le filtrage et le rayon ultraviolet. L'eau est enfin en sachet et embouteillée. Toutes les garanties de pureté qui offrent, entre autres, une réponse aux pénuries d'eau potable dans les villes. Il faut préciser que cette eau ne subit aucun traitement chimique. Et avant de mettre cette eau dans les emballages, mon collaborateur, le QACE, prélève cette eau pour analyser. L'extraction et la mise en emballage se font selon un processus progressif, moderne et sécurisé qui respecte les normes internationales. L'autre interlocuteur majeur dans cette entreprise, dans cette aventure, c'est le laboratoire de la DGCC. C'est ce laboratoire qui nous permet, après chaque production, d'analyser notre produit. Quand le produit est analysé, les résultats, je les discute avec le responsable, le chef de service de laboratoire. Automatiquement, je me rapproche de la DGCC, la direction générale, pour la mise en consommation. L'usine a été estampillée de différentes certifications aux normes internationales en matière de qualité, hygiène, santé et environnement. Une trentaine de Gabonais veillent tous les jours ici au respect de ces normes.